Bonjour mes petits panamans de la cuisine, c'est une nouvelle vidéo et on va réaliser une tarte aux pommes rustique. Donc pour commencer, on va faire notre mélange de pommes. Ici j'ai 3 belles pommes coupées en morceaux, pelées et pépinées. À ces pommes, je vais venir ajouter 3 cuillères de sucre, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de cannelle et une cuillère à soupe de fécule de maïs ou de maïzena. On se fiche de la forme qu'on lui donne. Donc vous voyez que je n'ai pas du tout cherché à faire un bel ovale ou un beau rond. J'ai étalé comme ça venait. On va venir la saupoudrer de poudre d'amande. Hop, je prends ma cuillère. Boire notre jus de pomme qui va couler. Et maintenant, on va venir placer nos pommes tout simplement. Donc, hein, vous voyez qu'il n'y a qu'à venir étaler nos pommes. On va tout simplement venir les chercher et les replier sur notre. Maintenant, on a préchauffé notre four à 180 degrés. Moi, il est à la chaleur tournante, comme d'habitude, vous commencez à le savoir. J'ai mis ma grille au milieu du four et on est parti pour une cuisson de 25-30 minutes. Et voilà mes petits padawans, j'ai laissé refroidir la tarte. J'en ai coupé une part, vous voyez, ça se tient très bien. Je l'ai décoré avec un peu de sucre glace. On met une boule de glace vanille, ça fait un dessert génial. J'espère que cette recette vous aura plu et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.